السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأحوال. إذا دائما معكم أستاذكم أحمد تازي ودرس جديد من دروس ديالنا. اللي أول مرة كيشاهدنا، إحنا قناة تعليمية كنقدموا كل نهار درس جديد في مادة معينة موجه لمستوى معين. كنخدموا مع تلاميذ ديال الابتدائي، وكنخدموا مع تلاميذ ديال الإعدادي، وكنخدموا كذلك مع تلاميذ ديال الثانوي. كل نهار كنحطو فيديو مختلف. اذا اجي نضم العائلة ديالنا، دير ابوني وفعل الجرس هكذا باش يوصلوك الجديد ديال الفيديوهات ديالنا، وتكون دائما انت الاول اللي كتوصل بهم. عندنا صفحة في الفيسبوك باسم قناة الاستاذ احمد تازي، وقناة في اليوتيوب احمد تازي شان اوفيسي. دير ابوني فعل الجرس باش يوصلوك الجديد ديالنا. إذا نبداو دابا الدرس ديالنا، تبعوا معنا عفاكم الفيديو حتى الآخر. ست. Donc la phrase nominale et la phrase verbale. Donc j'observe et je découvre. On va lire le petit texte. Rachida et Amin parlent de leur souvenir de voyage. يعني Rachida ou Amin qui تحدثوا على ذكريات السفر نتاعهم. Rachida, l'été dernier j'ai visité la tour Eiffel. Donc Rachida كتقول بانها الصيف الماضي زارت la tour Eiffel. Quel magnifique site. Il attire beaucoup de visiteurs. Et le موقع جيد كيأتيري كيجلب بزاف ديال الزوار. امين. Moi j'ai voyagé en Égypte. انا سافرت الى مصر avec mes parents. مع الوالدين تاعي. J'ai vu les pyramides. Donc شفت الاهرام. Quel gigantesque monument, يعني هما دي مونيمون كبار de la civilisation من الحضارة المصرية البانورامية. Donc d'abord on va répondre aux questions. La première question, qui sont les personnages du dialogue et de quoi parle-t-il? Donc je connais هما les personnages نتاع هذا لو ديالوغ. Donc في هذا لو ديالوغ عندنا كاينه عندنا رشيدة وأمين. دونك رشيدة و أمين. دونك رشيدة لي بيرسوناج سون رشيدة و أمين. دو كوا بارل-تيل؟ Donc, ils parlent de leur voyage, ou bien de leur souvenir de voyage. Ils parlent, donc les personnages sont Rachida et Amin, parlent des souvenirs, yani des créas, des souvenirs de leur voyage. La deuxième question entoure chacune des phrases de ce dialogue. Donc, Radin Dirouda ira à la coule la phrase, mais les phrases de le dialogue. Donc, Anna Rachida, l'été dernier, j'ai visité la tour Eiffel. Donc, Radin, c'est une phrase. Donc, Radin Dirouda ira à tard. Quel magnifique site. Radin, c'est une autre phrase. هنا يعاوتاني لا فراز سيفونت. Il attire beaucoup de visiteurs. هادي لا فراز سيفونت. دونك عاوتاني عندنا moi j'ai voyagé en Égypte avec mes parents. هادي une autre phrase. J'ai vu les pyramides. هادي c'est une autre phrase. Quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte Pano. Donc, il y a Pharaonique. Donc, je crois que c'est donc, Pharaonique, il y a Pharaonia. Voilà, donc, excusez-moi. C'est un panoramique. Donc, il y a Pharaonia. دونك الحضارة الفرعونية، لأن فعلا الفراعنة هما اللي
اللي صايبوا هاد الاهرام. دونك هنايا هادو هما لي فراز. لا كيسيون سويفونت: كومبيان يا تيل دو فراز دون شاكون دو سي ريبليك؟ دونك بالنسبه لا ريبليك الاولى هادي ولا ريبليك الثانيه هي هادي. دونك شحال عندنا هنا د لي فراز؟ عندنا 1 2 3. دونك لا بروميير ريبليك دونك شحال فيها؟ 3 فراز. بالنسبه لا دوزيام ريبليك دونك غادي نشوفو شحال فيها ديال دونك هنا هاد لا كيسيون خصنا نديروها هنا. داكوغ. دونك لا بروميير ريبليك فيها 3 فراز. لا دوزيام ريبليك دونك 1 2 3 3 فراز كذلك. اذا عندنا 3 فراز في كل ريبليك. La question suivante compare ces phrases. Est-ce qu'elles contiennent toutes des verbes? Et donc, on va comparer ces phrases et on va dire qu'elles contiennent le verbe. Donc, pour cette phrase, voilà le verbe. Il est conjugué au passé composé. La deuxième phrase m'a fait hash. La troisième phrase fait un verbe. Et là, j'ai voyagé, donc, qu'est le verbe. J'ai vu, qu'est le verbe. La dernière phrase m'a fait hash verbe. Donc, donc, il y a la question, compare les phrases, est-ce qu'elle contient toutes des verbes? Non. Donc, il y a des phrases qui ne contiennent pas des verbes. Comment appelle-t-on les phrases qui n'ont pas de verbes? Je ne connais pas les phrases qui n'ont pas de verbes. On les appelle des phrases nominal. Alors, nominal, mais fihom les verbes. Donc, les phrases qui n'ont pas de verbe. Les fihom les verbes. Ne contient pas un verbe. Donc, on passe à je manipule et je réfléchis. Premièrement, je relève dans le dialogue les phrases qui ne contiennent pas de verbe. Il y a une phrase de les phrases, les fihom les verbes. Donc, ce qu'on a au moins, il y a quel magnifique site. C'est une phrase qui ne contient pas un verbe. Ou on a la dernière phrase, quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Donc, on a les deux phrases. Au ce sont des phrases exclamatives. Donc, exclamatives. Donc, on a la première phrase, quel magnifique site. Elle dit la première phrase. La deuxième phrase, quel gigantesque monument de la civilisation pharaonique. Donc, il y a un espace, l'essentiel, on a la phrase, on a le dialogue. Donc, deuxièmement, je transforme les phrases nominales du dialogue en phrases verbales. Donc, ce sont des phrases qui sont nominales. Ou on va les faire en phrases verbales. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons créer un verbe. Nous allons faire le verbe. Nous allons faire comment nous allons faire la phrase dans le verbe. Quelle grande tour? Nous allons dire, c'est une grande tour. يعني هنا يا لها من صومعة كبيرة. هنا غادي نقولوا إنها. دونك هذا هو الفيرب. دابا هذا الفيرب هذا سي لوكسيليير الفيرب إتر هو اللي رجعنا لا فراز اون فراز اون فراز فيربال ما بقاش نومينال. دونك لا ميم شوز بالنسبة سيت تور إي غروند سيت اون غروند تور. دونك هنا كيل دونك نقدروا نقولوا سيت دونك هنايا جو ترانسفورم لي فراز نومينال دو ديالوغ داكور. هنايا دونك انا اعتقدت بان هادي دونك غادي
دونك هنايا خصنا لي فخاز دي ديالوغ هما لي غنرجعوهم نومينال. دونك هنايا لا فراز لي خصنا نحولو هي هادي كيل مانيفيك سيت. دونك غنقولو سما سو سيت سو سيت سو سيت اي مانيفيك. دونك رجعنا لو فيغ سو سيت اي مانيفيك. كيل جيغونتيسك مونيمون. دونك هنايا غادي نقولو سو سون دي مونيمون. سو سون دي مونيمون جيغونتيسك. De la civilisation de l'Égypte pharaonique. Donc, là, la troisième phrase, je transforme la phrase verbale suivante en phrase nominale. Ce paysage est très joli. Il est rangolo. Quel joli paysage. Quel joli paysage. On va dire à la message. Donc, je retiens une phrase verbale si elle est construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués. Donc, la phrase verbale, c'est qu'on fait le verbe, je n'ai pas verbal. Maintenant, ce monument est magnifique et où est le verbe? Découvrez ce site universel, découvrez où est le verbe. Donc, ce sont des phrases verbales. Une phrase est nominale si elle est construite autour d'un nom commun. Yani qu'est-ce qu'on واحد la phrase yani ismiya fash katkoun kadour hawla واحد le nom commun. On la rencontre souvent à l'oral dans les titres et dans les publicités. Kanlqawha fl oral mathalan fl lugha lhiwariya mathalan kanlqawha fl les titres de l'anawin kanlqawha fl les publicités fl ishara. Exemple, quel magnifique monument, un voyage merveilleux en Afrique, etc. Donc on passe à la page suivante, la phrase nominale et la phrase verbale, je m'entraîne. Je mets une croix dans la case de chaque phrase verbale. Il est quand la phrase verbale, on dit l'alama, sinon on dit l'alama. Donc on dira la première phrase. Ces tableaux illustrent. Donc, illustre, c'est un verbe. Donc, on a des mots autour d'un verbe. Donc, c'est une phrase verbale. Quel beau pays. Mais qui enchaîne le verbe. Donc, la phrase n'est pas une phrase verbale. J'ai lu. Donc, élu, elle a le verbe. Donc, elle dit, c'est une phrase verbale. Merveilleuse la civilisation andalouse. Donc, elle dit, c'est une phrase nominale. Ma fiche, le verbe. La mosquée Hassan II est. Donc, est un bijou. Il y a le verbe, donc c'est une phrase verbale. Donc il y a trois phrases qui sont verbales, faire les phrases. Donc on passe à l'exercice suivant. Je transforme les phrases verbales suivantes en phrases nominales. Donc ces récits historiques sont intéressants. Donc il y a, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire... donc là, on va essayer de le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Intéressant. On va dire au virgule. Les récits intéressants, ces récits historiques. يعني مهمين هذا الحكايات أو القصص التاريخية. Donc cet espace est agréable. Donc هنا نقدروا نديروا une exclamation. Quel agréable
espace. Point d'exclamation. La muraille de Chine est gigantesque. Donc, quelle gigantesque muraille de Chine. Ibn Battuta est un grand explorateur de nombreux pays du monde. Et là, nous pouvons dire Ibn Battuta point virgule, grand explorateur. Les phrases nominales qui gonflent le titre explorateur de nombreux pays du monde. Donc je m'évalue, je coche les cases des phrases nominales. Donc voilà qu'on a coché dans les phrases verbales, d'abord on coche les phrases nominales. Donc là il n'y a pas de verbe, donc c'est une phrase nominale. Le palais de l'Alhambra est, donc c'est un verbe. Donc, c'est un verbe, c'est une phrase verbale. Extraordinaire le musée du Louvre. Donc, le verbe, donc c'est une phrase nominale. Nous étions. Étions, c'est un verbe. Donc, c'est une phrase verbale. Un événement inoubliable. Il y a une exclamation. Donc, c'est une phrase nominale. Donc la dernière question, je complète le tableau suivant. Il y a des phrases nominales, des phrases verbales. Il y a quand c'est nominal, j'ai verbal, il y a quand c'est verbal, j'ai nominal. Donc quel pays, quel beau pays. Donc en triangle, ce pays est beau. Ce pays, donc ce pays est beau. Donc ce pays est beau. Ah ou là, c'est un beau pays. Et là, cette civilisation est extraordinaire. Adin bdaou extraordinaire. Extraordinaire. On dit virgule. Cette civilisation. Cette. Adlhadara. Civilisation. Splendide. L'architecture du grand théâtre de Rabat. Adingoulou splendide. Et l'architecture du grand théâtre de Rabat. Voilà, c'est la fin de la séance.